Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la troisième vidéo sur le thème Harry Potter. Donc cette fois-ci, ce sera le maquillage de Serre d'Aigle. J'espère que vous êtes contents. Je sais, j'ai un jour de retard, je suis désolée. Normalement je filme le lundi et je la montre ou je la filme avant. Mais en tout cas je vous la mets en ligne le lundi. Sauf que là en fait j'ai été au ski ce week-end. D'ailleurs je me suis chopé des boutons d'acné. Je crois que j'ai fait une allergie d'acné. Donc bon, on calculera pas, je sais pas si c'est passé, mais vraiment ma peau n'a pas kiffé. Ah, le ski a pas kiffé du tout. Enfin bref, et puis là je me trouve tout partout. Enfin bref, donc on se retrouve aujourd'hui avec le maquillage sur Serre d'Aigle. Et c'est parti. Je me trouve un peu surexcitée là, genre je me calme là. Serre d'Aigle, les couleurs c'est bleu et noir. On pourrait mettre du gris foncé, ça pourrait rentrer, mais c'est bleu et noir surtout. Donc on va partir sur un petit maquillage bleuté. Je sais pas, je me calme, c'est bon. Allez, on commence la vidéo, sinon on va jamais commencer. Ah oui, c'est dernier temps en fait, je mettais plus ma base verte. Ma base verte, pardon. En fait avant, chaque vidéo ou quoi, je me lave le visage, je mets une crème hydratante, histoire de faire barrière comme avec ma peau. Mais il faut que je me rachète une base parce que la verte vraiment ça fait bouger tout mon fond de teint. Ça m'énerve, je déteste cette base. On commence avec le fond de teint et le forever. Allez. Je vais prendre le fond de teint Bandy Sway là, hyper couvrant. Le fond de teint Bandy Sway. Le Make Up Forever, il est au-dessus. J'ai pas de lentisseur là. Vert caché ce gros bouton, donc écoutez, il restera visible. On va pas contredire la nature, elle a décidé de me donner un bouton, on va le renommer George d'ailleurs. Tous mes boutons s'appellent George. Chaque fois que je me trouve original, je dis toujours le même prénom. Mon double menton aussi, c'est George. Oh, vous savez tout maintenant. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, tiré du bas Manuela, ils savaient déjà. Et moi, je vous conseille de me suivre sur Instagram parce que je fais des petites vidéos maquillage. Kins, on va aussi sur YouTube, ça fait. Donc voilà. Le meilleur jeu. Ah mon petit serre, toujours le Eyeliner. Essayez de cacher le bouton. Oh, je suis enflammée sur mon menton. J'avais eu des aussi gros boutons, ça me gêne. C'est un peu l'angoisse. Tellement de gros joues, on voit toute ma joue qui... Ah, ma graisse dès là où je joue qui bouge. Ah, ça me dégoûte. On passe maintenant à la peau. Le contour. Je
Enfin bref, maintenant on passe aux yeux, comme toujours on commence avec... Ah vas-y, on va pas paniquer. Je vais prendre celui-là. Je viens vraiment faire quelque chose d'intense, hein. Le but c'est que ça se voit. Ensuite, je vais prendre celui-là. Et ce bleu-là. Ce bleu, il est magnifique, je trouve. Je viens avec un pinceau encore plus précis. Et un noir.
En fait, si vous voulez, je le décale encore de mon bleu, vous voyez. Je viens avec ce bleu-là. Je vais l'appliquer là. Parce que c'est bleu. Vous pouvez avec les nuances de bleu. Et là, je vais revenir pour mon petit pinceau. On va pas souffler. Je reprends le bleu clair. Que je viens mettre partout dans le coin interne. Et je viens reprendre légèrement du noir. Et je vais maintenant le travailler juste là. Extrêmement. Oh, parce qu'il y a un. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres mat bleu. Mais alors, il est bleu un peu violet. Bon, est-ce que ça va faire bien? C'est que je viens reprendre le petit bleu ici. Et là, je vais venir prendre ce petit vert bleu là. Toujours. Et je vais en faire un highlighter, je pense. Sinon, si j'y arrive pas, de toute façon. Ouais, je vais faire un truc avec un fard argenté.
Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec la dernière vidéo qui sera sur le thème du Gryffindor, mon école préférée. Je sais pas encore ce que je vais faire, faut que j'y réfléchisse parce que j'ai envie de miser le paquet sur Gryffondor. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de Serdaigle, pardon. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, je vous laisse admirer le résultat.